with the umbrella. Eh, hey, salut tout le monde. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? On n'est pas super à l'heure. Hein, on est un petit peu à la bourre, c'est la reprise. C'était pas facile de nous remettre dans le rythme. Deuxième heure. Est-ce que vous croyez au retour du premier amour? Mélanie, elle est là ce soir, on y va, parce que Mélanie, elle attend ça avec impatience. Elle nous a raconté cette histoire. Je vais vous la lire, ça va prendre à peu près 25 minutes, parce qu'elle a écrit... Un pavé. Non, je plaisante, Mélanie. Ça va prendre 2 minutes. On chronomètre, c'est parti. J'ai connu mon premier amour à 16 ans. Et nous avons eu une relation d'un an et demi avant que j'y mette fin à l'époque. C'était il y a 11 ans. Pendant cette période, j'ai refait ma vie, j'ai eu d'autres relations, j'ai eu 2 enfants, mais ce garçon est toujours resté dans un coin de ma tête. Nous nous sommes reparlés et revus au mois de décembre, donc 2021, là, il n'y a pas longtemps, soit 10 ans après notre histoire. Pendant cette soirée, j'ai senti une connexion. Elle a mis des guillemets à connexion, Mélanie, que je ne saurais même pas expliquer. Nous avons tous les deux beaucoup changé, mais bizarrement dans le même sens. Je suis célibataire maintenant, mais lui, par contre, il est en couple depuis 8 ans, sans enfant. Mélanie, elle a 2 enfants et elle n'est plus avec le père des enfants. Vous avez suivi, c'est bon? Attention, c'est pas fini. Un retour de flamme paraît donc impossible. Cependant, lors de cette soirée du mois de décembre, il m'a sorti des phrases ambiguës, telles que « j'ai toujours su que nous nous retrouverions un jour. Putain, c'était beau, j'ai foiré la phrase. Vas-y, redis-la. C'est où? C'est là, Bibou. T'es pas avec moi. Hein. Mais non, parce que je lisais pas le texte. Je dis les phrases. J'ai toujours su que nous nous retrouverions un jour. Ou bien. J'étais stressée à l'idée de te revoir. Je me suis fait des films, j'ai imaginé que nous nous remettions ensemble, etc. C'est très ambigu, effectivement, Mélanie. Depuis le mois de décembre, nous nous sommes reparlés 2 ou 3 fois par message, rien de plus. Il habite à 700 km, mais depuis décembre, je pense très souvent à lui. Voilà, voilà le contexte, Mélanie. Elle est là avec nous ce soir, donc elle va pouvoir... Ça pourrait faire un beau livre, hein. Donc, Mélanie pose cette question, que vous croyez au retour du premier amour. Sachant que là, son premier amour est en couple depuis 8 ans. Mm-hmm. Mais il lui a quand même lancé des phrases cheloues, hein, que tu vas pouvoir répéter. Ah, oui, 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 j'ai oui, toujours oui. su que nous nous retrouverions. Que nous nous remettrions ensemble. Voilà, j'étais stressée parce que je me suis dit que si je ça, ça... Je me suis fait des films. Il n'a pas d'enfant. Donc déjà, ça, c'est un frein quand même en moins, parce qu'il peut... Bon. C'est plus facile de quitter quelqu'un que de quitter quelqu'un qui a des enfants avec toi. Enfin, voilà, c'est Mélanie, plus délicat. Elle a 2 enfants. Tu donc vois, ça... moi, quand l'amour de ma vie va revenir, sauf ça sera que... compliqué. Quoi. Ouais, tais-toi. Sauf que le frein, Mélanie, elle a 2 enfants. Tu sais, c'est un peu une vieille fille. Elle a 70 ans. Mais il est au courant, j'imagine. Elle a 30 ans. Vu qu'ils ont passé elle a 30 ans, mais elle a 70 ans dans sa tête. Bon, tu vois, elle est passée, elle est périmée, Mélanie. Tu sais, elle a passé l'âge. Elle a 2 enfants. Qui voudrait se mettre qui avec une, avec une mère enfants, célibataire ouais. Mélanie, c'est mort, c'est foutu. C'est fini. Fin de la question, fini. Merci à toi. Allez, on passe à autre chose. Alors. Non, mais sérieux. Donc, est-ce que blague on à croit part. Au retour du premier amour? Et pour garder cet exemple de Mélanie-là, qui n'est pas facile parce que les deux sont pas célibataires. Quand ah même. Ouais, c'est vrai que comme elle dit Mélanie, c'est vrai qu'il veut peut-être des enfants alors qu'elle en veut plus. Mm. Oui, bah écoute Mélanie, j'ai envie de te dire si t'as envie qu'ils reviennent, c'est bon quoi. Hein. Sinon tu peux accepter le petit troisième, c'est bon. Je n'ai que 27 ans en plus Mélanie, ça va. Tu peux faire des enfants jusqu'à 40. T'as encore le temps d'en faire 10. Ça va, mais t'as encore ça le va. Temps d'en faire 10 des enfants. Ouais. Ok, donc on y va, hein, on s'active. Hein. Allez. Bon alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le chat, là, par rapport à l'histoire de Mélanie? Vous avez compris qu'elle était là ce soir sur Twitch, hein, vous voyez, elle écrit... Moi, je hein. trouve que c'est une très belle histoire. Ça fait très roman, tu vois. Ça fait très genre, tu vas écrire un livre, tu c'est sais. C'est ça, ouais, et ouais. tu sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'il va quitter sa copine? Alors moi, si je lisais un livre comme alors qu'est-ce que j'aimerais comme fin? N'oublions pas qu'il a fait quand même des phrases ambiguës, et ça, c'est pas... Il a fait des phrases ambiguës, c'est pas anodin, quoi. Non, mais c'est pas vois, cool c'est... pour sa copine, ah, oui. Mais s'il a fait ça, ça veut dire que sa copine, il est avec elle, il est bien avec elle. Il a dit « j'ai stressé et j'ai rêvé qu'on se remette ensemble ». Ça, c'est pas cool quand même. Parce que tu fais espérer Mélanie. Ah, elle est là, espère, elle est là. Non, là, il faudrait qu'il... Elle pense qu'à ça depuis le mois de décembre. Bah ouais, elle sort plus de chez elle. Mais faut qu'il Mélanie, discute. Elle sort plus de chez elle. Mais il faut qu'il discute, voilà. Non, bah attends, on va voir ce qu'ils disent sur le chat. Alors... J'espère que sa copine de 8 ans n'est pas dans le chat. Il y a Daddy qui dit, je tiens quand même à dire
que j'ai privilégié d'être en live avec vous plutôt que de regarder le troisième épisode des Anneaux du Pouvoir. Merci, c'est vrai, c'est sorti ce soir. C'est vrai que tous les vendredis, il y a les Anneaux du Pouvoir, Seigneur des Anneaux qui sort, et il y a aussi Danse avec les Stars, Daddy. Mmh. Mais les Anneaux du Pouvoir, tu te le fais samedi, et Danse avec les Stars, tu te le fais dimanche. Il y a deux jours dans le week-end, ok ? Nous, on est là le vendredi soir. Ça sort tous les vendredis, c'est ça ? Un épisode le vendredi ? Le Seigneur des Anneaux, ouais. Ok. Enfin, un ou deux, je sais pas, parce que la semaine dernière, ils en ont sorti deux d'un coup. Deux d'un coup, ils ont sorti ou c'était que c'était ça fait deux semaines coup, ouais. Non, c'est sorti le 2. Ça a été lancé le 2 septembre, et il y en a eu deux. Donc, je sais pas s'ils font deux par deux ou si c'était juste. Est-ce que quelqu'un sait il y a combien d'épisodes je pense qui sont prévus ? Il y en a 10, je pense pas. 10 ? C'est des séries courtes maintenant qu'ils font. Bref, c'est pas le sujet. Oui, pardon. Il y a Lolita qui dit c'est bon, le mec il est chaud. Mélanie, apparemment, le mec est chaud pour Lolita. Ouais, donc, mais moi je trouve que ça a l'air aussi. Ça a l'air d'être chaud. Suivant après, c'est vrai que 8 ans avec quelqu'un, c'est quand même triste. Copine, quand mais même. Bon, 8 ans, ils n'ont rien construit. Hein. Ça se trouve, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de. Tu sais, ils n'ont pas d'attache, ça se trouve, ils n'ont pas de compte commun. Enfin, c'est bon, ils peuvent chacun vaquer à sa vie. Lolita 07 qui et veut. Et à son amour qui de veut jeunesse. Aussi, Lolita 07, elle veut une fin de conte de fées. Si c'est l'amour de ta vie. Mélanie, peut-être que tu auras envie d'en refaire des enfants. Bah ouais. Non. Non, mais après, peut-être que lui, il n'en veut pas, t'en sais rien. Mais déjà, là, on fait des plans sur la comète. On se calme. Tahiti Jeu qui dit, moi, je pense qu'on n'oublie jamais son premier amour, mais que c'est un souvenir fantasmé, embelli. T'as pas faux, c'est pas faux, Tahiti Jeu. Sauf que là, Mélanie, elle dit elle l'a revu et que c'était... Et ils n'ont pas changé. Quelque chose, quoi. Elle a dit... Ni lui ni moi n'avons changé. Si, ils ont changé, mais dans le même sens. Dans le même voilà. sens. Oui, c'est voilà. ça ce qu'elle a dit. Elle a dit, on a et changé. Et qu'ils ont senti une connexion. Voilà, donc effectivement, là pour le coup, c'était peut-être un souvenir avant, mais là, Mélanie, c'est plus un souvenir. Ça a ravivé le truc. C'est. Quoi. Voilà. Trois donc, trucs. Bon. C'est ça. C'est pas. Mélanie, elle a deux enfants déjà avec deux pères différents. Et toi, t'es plutôt du côté du couple qui est là depuis 8 ans et tu te dis, tu veux pas casser ça, quoi. Moi, je me dis que ce que le gars fait pour sa copine, déjà, c'est pas bien parce mais qu'il ment. Mais c'est pas cool. Il ment. Mais... Il est parti voir Mélanie en scred, à mon avis. Mais le fait il lui de faire fait ça... Il lui fait des messages ambigus, c'est pas cool. Mais le fait cool. de faire ça, c'est que justement, il est jamais passé à autre chose, quelque part. Peut-être aussi, tu mais vois, bon... Et il a pas eu d'enfant, on sait pas. Peut-être qu'il a pas eu d'enfant parce qu'en fait, il n'en veut pas, parce qu'en fait, il en veut avec Mélanie. Marine qui dit, ça fait surtout louche, c'est pas cool qu'il fasse ça, qu'il aille draguer ailleurs s'il est en couple. Ouais, je suis un peu de cette avis. Sûr, moi, j'aime mais pas, c'est sûr, hein, j'aime c'est, pas c'est, hein, c'est pas correct. J'aime hein. pas les gens qui après, mentent. Après, tu peux te dire, s'il fait ça là, est-ce qu'il le referait pas ensuite, quoi. Après, ça se trouve, c'est un, oui. un serial... Serial lover. Non, c'est quoi le mot peut-être. Infidèle. N'oublions pas que Mélanie était en couple avec lui quand ils avaient 16 ans. Hein. Ça remonte, hein. Donc 16 remonte, ans, c'était t'es des encore jeunes. Enfant, hein. Hein. C'était des jeunes et c'est Mélanie qui l'a quitté. Donc à 18 ans, ils sont restés plus ou moins 2 ans ensemble, 1 an et demi, elle a dit. Donc ils se sont quittés pourquoi ? On ne sait pas, mais on s'en fout un peu parce que quand t'es ado, tu quittes. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison. Quand t'es ado, c'est pas pareil. Après, quand même, une histoire, quand t'es ado, revoir la personne 10 ans après, quand toi t'as 27 ans, 30, voilà, 30 ans, pas là. Et que tu te rends compte que, bah, en fait, tu as toujours cette connexion et que vous avez changé. Bah oui, c'est normal parce que tu n'as plus 16 ans, maintenant tu en as 27. Mais que vous êtes sur le même mood, c'est bien aussi. Parce que franchement, une relation quand tu es ado, c'est une relation quand tu es ado, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose que quand tu es adulte. Tu n'as pas du tout, tu n'es pas mature au même point, tout ça, tout ça. Donc, le fait que voilà, donc... Donc c'est bien que vous ayez eu cette... Cette revoyure, quoi. Ensuite, n'oublions pas qu'il est en couple depuis 8 ans, quand même. Hein. 8 ans, c'est pas rien. Hein. Oui, oui. Marie qui dit, j'ai vu juste avant le live l'épisode du Seigneur des Anneaux. Tu spoiles rien, sinon t'es banni à vie, évidemment. Pff, quel spoil. Certainement que s'il a revu Mélanie, alors qu'il est pas bien avec sa copine, c'est peut-être qu'il est pas bien en couple. On n'a jamais dit qu'il était pas bien en couple, hein. On ne sait pas. Hein. Après, Mélanie, peut-être que tu peux nous en dire plus, hein. Comment est-ce qu'il t'a parlé de son couple aussi, peut-être? Oui, est-ce hein, qu'il t'a dit... Qu'est-ce que vous avez fait dans votre rendez-vous? Vous êtes allé boire un verre? Vous étiez où? T'as pas détaillé ça? Tu peux détailler oui, aussi, oui. hein. Raconte un peu plus le contexte des retrouvailles. Exactement. Il y a Adeline qui dit « Bonsoir, j'aimerais m'abonner avec mon compte Amazon Prime, mais j'arrive pas à le faire. » Faut que tu cliques, Adeline, sur le petit truc Prime qui va s'afficher là, depuis ton ordinateur, ton PC. Si t'es sur ton téléphone, ça va être un petit peu plus difficile. Voilà. Et sinon, sous les vlogs sur Jujubaby, tu as toute la procédure, Adeline. Et si tu arrives à le faire, ça se fait en moins de 2 minutes. Et ça nous aide énormément. Donc, merci beaucoup, Adeline. Au début, ça va peut-être un peu galère pour toi. Mais franchement, si tu le fais, si tu y arrives, vraiment merci.
Rita qui dit, elle va pas aller casser le couple de quelqu'un d'autre. Juste parce que de son côté, elle est célibataire. Et Mélanie, elle veut rien casser, Rita. Hein. Elle pose juste la question, est-ce que vous croyez au retour du premier amour? Elle a senti une flamme, elle a senti elle une connexion. Elle a senti qu'il y avait quelque chose, elle a senti... encore entre eux, alors que... Et il y a des gens, même s'ils sont en couple, des fois, oui, ils vont revoir quelqu'un, ou ils vont et voir ils une vont nouvelle personne. Ils vont encore avoir quelque chose, là, qui va... Ben oui, voilà. Exactement. J'aimerais pas vraiment que tu vives ça, quand même. Il y a Cincelle qui dit, ça a ravivé une flamme non, qui parce n'a que jamais... Je parle de ça comme si c'était naturel et fréquent, mais... Ça a ravivé une flamme qui n'a jamais été vraiment éteinte. Mais moi, je ne vais jamais revoir mon premier amour. Je n'ai pas non, de mais... premier amour. Non, parce que tu as dit, des fois, ça peut être des gens aussi... voilà. Pas forcément ton premier amour. Oui, bah, des fois, il y a des gens qui sont en couple. Enfin, ça se voit dans la vie. Ils rencontrent quelqu'un et ils quittent tout. Parce qu'ils bah, ont rencontré quelqu'un. Et... Non, c'est pour ça que je t'ai dit, j'espère que ça ne nous arrivera pas. Maîtresse d'école qui dit, mon avis est plutôt pessimiste. Mais un homme quitte rarement sa compagne, surtout depuis 8 ans. Même si les souvenirs sont encore en mémoire et la connexion présente. Mais tu as le droit de le dire, maîtresse d'école. Oui. Mélanie, certes, elle n'arrête pas de penser à ça. C'est pour ça qu'elle nous a posé la question. Mais voilà, quoi. Voilà. Il y a Taïtiju qui dit « Je l'ai refait à chaque période de célibat, d'essayer de retrouver une relation avec mon premier amour. Bah, fait qu'à chaque fois, je tombais de haut, mais je ne tournais pas la page. Oh, » c'est chelou ce que tu dis, Taïtiju, là. C'est-à-dire que tu as réessayé plusieurs fois... De te retrouver ton premier amour, de te remettre entre guillemets avec lui ou de... Et plusieurs fois t'as essayé? Ça m'est déjà arrivé, enfin... Ouais, mais quand t'es ado. Ouais, j'étais plus jeune, ouais. Quand t'es jeune, pourquoi pas, oui. Que t'essaies de te remettre avec un mec ou avec une meuf quand t'as 16, 17 ans, 20 ans, pourquoi pas? Oui, mais pas ces stages-là, à un moment donné, tu lâches l'affaire, tu vois, non? Je sais pas, non? Bah, sauf si t'as pas trouvé quelqu'un qui te convienne. Ouais, mais si ce premier amour, entre guillemets, ça marche pas avec... Oui, non, c'est sûr. Alors, Mélanie nous précise qu'il ne l'a pas vu en scred. Sa copine était au courant. Ils sont très sains dans leur relation. Ah oui, bon, alors voilà. Laisse-les tranquilles. Lolita qui dit, moi, je pense que ça peut arriver de retrouver son premier amour et que ça marche. Si c'est le grand amour, c'est joli. Effectivement, après, ça fait comme dans les films. Hein. Ouais. Et ça existe, franchement, ça existe. Hein. Nous, on n'en connaît pas. Mais effectivement, ça existe et c'est joli, ouais. Ça fait de belles histoires. Ouais, ouais. Il y a Rita qui est vraiment à fond en mode j'aime pas les infidèles. Je pense qu'il a juste essayé de sonder Mélanie pour voir si elle avait toujours quelque chose pour lui. Juste pour la fierté. Bah c'est... Juste pour sa fierté de se dire en fait je l'ai marqué. Ah ouais, c'est pas. C'est... Ça se peut. Non. Moi j'ai du mal avec cet état d'esprit de dire les mecs sont fiers et ils aiment bien se la péter. Non, parce que c'est peut-être elle. C'est elle qui l'a quitté. Ouais, non. Et puis là, elle est célibataire. Moi, j'ai toujours du mal avec... Parce que moi, je suis pas quelqu'un de fier. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens dans la vie qui, juste par fierté, vont jouer à des petits jeux. Juste, mais il y en a, hein. Bien sûr qu'il y en a, mais bon... Bah, tu le connais pas. Là, je pense pas que ce soit le cas, parce que Mélanie, elle nous dit que sa copine était au courant, enfin, que tu vois... Je veux dire, il n'y avait rien qui était caché. Donc, je pense pas qu'il y ait une histoire de fierté de dire « Je vais voir si Mélanie, elle me kiffe toujours après 10 ans. Elle m'a quitté comme une merde quand j'avais 17 ans et demi. Non, je pense pas, tu vois. Je pense pas que ce soit ça. Non. Il y a l'autre qui dit, je pense qu'il a aussi le goût de la nostalgie et l'insouciance de l'époque. Ça, c'est possible, aussi. Parfois, on pense à une relation et pas forcément à la personne. C'est pas faux. Oui, aussi, et on repense aussi à un état dans lequel on était, et les temps, sentiments un qu'on temps avait. Aussi. Une période. Oui. Tu peux être nostalgique. On associe ça à une période de jeunesse, de fraîcheur, d'innocence, d'acné. Non mais c'est vrai qu'on peut avoir cette nostalgie de quand on était ado, ouais. Quand on avait 20 ans, parce qu'effectivement c'était une période où on a tous connu plusieurs fois les petits papillons, le stress d'aller draguer, d'aller parler, d'aller demander le MSN Messenger. Oui, parce que ou c'est ci, l'époque ou où on a découvert les sentiments amoureux. C'est en fait. C'est ça. On a tous été amoureux une fois ou plusieurs fois quand on avait 13, 14, 15, 16, 17 ans. Et c'est vrai que c'est une période, moi, que je suis pas nostalgique, c'est pas ça que j'allais dire, mais c'est une belle période de ma vie, quoi. Pas moi, mais... Oui, pas toi, parce que toi, t'as pas eu une adolescence facile. mais après, oui, c'est, on peut, et pourquoi pas, éprouver de la nostalgie. Pour la relation, voilà, c'est ça. Mélanie nous apporte d'autres précisions. Il dit, il est très occupé en ce moment, il vient de créer sa boîte. C'est moi qui lui ai écrit deux ou trois fois pour prendre des nouvelles. C'est pas lui qui m'a réécrit spécialement.
Mais Mélanie, je vous le dis, elle y pense beaucoup. Elle nous dit qu'il avait l'air bien dans son couple. On a été boire un verre et manger chez moi. On est resté 6 heures ensemble à discuter sans cesse. On a reparlé de notre relation avec beaucoup de bienveillance et presque de la nostalgie. Mais c'est bien, après, ouais, non, c'est bien, mignon. C'est bien beau, que le mec, il soit, tu sais, il est allé chez toi, vous avez pris un verre. C'est totale confiance, sa copine et tout ça. Moi, je me rappelle. Moi, j'aurais jamais accepté. Tu te rappelles quand on était en couple, notre première année ou deuxième année, j'étais allé boire un verre avec une fille qui était dans ma classe. Et Bibou, elle m'avait laissé. Et j'étais allé boire un verre, je sais pas, pendant 2 heures, quoi, peut-être. Marion, elle s'appelait. Oui. Avec des yeux bleus. Magnifiques yeux bleus. J'essaie de me rappeler de son nom de famille. Grande, quand même. Je vais la... peut-être un peu trop grande, c'est pas trop mon style. Je vais pas dire un peu trop grande. Je vais la chercher. Un peu plus grande que moi. Je crois que c'était ça, son nom de famille. Je crois que c'était ça, ouais. Ouais, je crois que c'était ça. Et je me rappelle, la Bibou, elle m'avait laissé. Et moi, j'étais allé boire ce verre-là. C'était absolument pas dans le but de faire quoi que ce soit avec Marion. C'était juste qu'on s'entendait bien, que ça faisait... Vous avez des conversations. Oui, à un moment donné, on commençait doucement, très doucement à se draguer. C'est encore, je ne vais même pas dire ça. Mais c'est vrai que tu m'avais laissé y aller. Je pense que ça t'avait un peu inquiété. Mais moi, au fond de moi, j'aurais rien fait avec cette fille-là. Quoi. Mais je t'avais laissé aller à l'époque. Oui. Tu vois. Oui, oui, aujourd'hui, je ne t'aurais pas laissé. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a certaines ex, tu me laisserais aller boire un verre avec. D'autres, non. Ça dépend, en fait, après, des ex, quoi. Tu vois ? Non, moi, je te laisserais aller boire des verres avec un ou deux gars sans aucun souci, quoi. Enfin, tu vois ? Ah ouais ? Oui, mais pas tous. Parce qu'il y en a que j'aime pas, déjà. Tu les aimes pas, tu les connais pas ? Oui, mais je les aime pas. Je les aime pas parce qu'ils t'ont fait souffrir. Ils t'ont fait du mal de ton petit cœur. Pas forcément. Non. Pas forcément, oui, c'est ça, oui. pour moi, c'est no way, nous dit Loutre. Même si l'amour a été ultra fort avec quelqu'un par le passé, Loutre, c'est no way. Il y a Hivernia qui dit que ça serait beau si ça fonctionnait entre eux, mais je pense que les fictions nous font trop fantasmer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la vie n'est pas un film. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut. Voilà, on a des idéaux comme ça. Et puis après, il ne faut pas oublier que si jamais, en plus, vous tentez quelque chose, que ça ne fonctionne pas, que finalement, c'est le flanc qui. Enfin, le soufflet qui retombe, eh ben, on a tendance à gâcher. Un couple de 8 ans voilà, ensemble, et que voilà, s'il faut, ils ont des projets, tout ça. Il y a Mélanie qui dit « Je suis d'accord avec vous, je pense effectivement que c'est plutôt un fantasme et une nostalgie de la relation passée, du temps passé, de l'âge d'avant. » C'est ça, et que du coup, tu t'imagines, et si on était restés ensemble, comment on serait aujourd'hui ? Exactement, voilà. Et si on avait fait un parcours différent ? Est-ce qu'on aurait des enfants ensemble aujourd'hui ? Ça ne veut pas dire que le retour du premier amour ne peut pas exister. Oui. Mais là, peut-être un contexte un peu différent, parce que c'est le contexte, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté, étant donné que lui, il est casé, quoi. Enfin, il serait avec quelqu'un depuis 8 mois. Je te dirais, bon, 8 mois, c'est quoi ? Voilà, essayez, quoi. Mais 8 ans, voilà. Il y a sûrement des choses qui ont été construites ensemble, quoi. Il y a Tahiti Ju qui nous dit, par revenir sur son premier amour qu'elle a déjà resollicité plusieurs fois, elle nous a dit qu'elle a déjà retenté 3 ou 4 fois sur 10 ans de le revoir et de refaire quelque chose avec lui. Donc là, c'est peut-être trop, Tahiti Ju. Ouais, bah après, ce n'est que mon avis. Après, on ne connaît pas leur relation, donc bon. Mais elle nous dit, Tahiti Ju, justement, elle précise, on se dit avec son premier amour... qu'on a beaucoup changé et dans la même direction, mais en fait, ça ne marche pas. Mm. Si ça ne marche pas, effectivement, si vous avez retenté 3 ou 4 fois sur 10 ans, à chaque période de célibat, Julien nous dit qu'elle essaye de retourner vers lui. Des fois, c'est quoi l'expression ? C'est pas tendre le bâton pour se faire battre, mais faut pas forcer le destin. Ouais, si, c'est ça, c'est bien, forcer le destin, non ? C'est que des fois, si ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est ça. Mais après, je comprends aussi, juste, c'est que si au fond de toi, tu te dis, c'est cette relation-là qui changerait ma vie, d'autant que là, on sait que des fois, avec ton chéri actuel, c'est pas tout le temps super communication, mais des fois, faut pas trop se rattacher à un fantasme de ma vie pourrait être meilleure si j'étais avec lui, parce que tu sais pas, en fait, si ta vie serait meilleure avec lui ou avec elle ou avec eux ou j'en sais rien, et des fois, de trop fantasmer sur sa vie, comment elle pourrait être et tout... C'est pas sain, ni pour toi, ni pour... voilà, quoi. Enfin, je pense.
n'est que mon avis. Jessica qui dit « Perso, j'ai eu un coup de foudre dans ma vie, c'était chimique, une attirance hors du commun, mais on ne s'est jamais mis ensemble. J'avoue que je me demande parfois ce que ça aurait donné si je le recroisais. Et pourtant, je suis hyper amoureuse de mon homme actuellement. » Bah voilà, mais après, comme le... Voilà, c'est vrai, c'est ça, c'est le fantasme de « et si ». Ouais. Mais avec des « si ». On mettrait Paris en bouteille. C'est ça le... On mettrait Paris en bouteille. On mettrait c'est juste ça, l'expression. On mettrait Paris en bouteille. Il y a aussi avec des si on coupe du bois. Moi, je pense que si le premier amour veut nous revoir, c'est qu'il n'est pas bien dans son couple. Bah, je suis pas d'accord, Maë. Non. Non, moi, il y a des ex que je pourrais revoir avec grand plaisir. C'est pas mes premiers amours, mais... Moi, honnêtement, j'ai des ex que j'aimerais bien revoir. Juste, je sais pas, moi, pour savoir ce qui... Ouais, ce qu'ils sont devenus, quoi. Bah oui. Parce qu'on a partagé des moments, on a partagé un bout de vie ensemble, finalement. Et que, voilà, juste j'aimerais savoir si ça va bien, si, qu'est-ce qu'ils font, et que ça me ferait plaisir d'avoir leurs nouvelles. C'est pas pour autant que j'irais vivre avec, ou que j'aurais envie de repartir avec, parce que c'est pas du tout le cas. Mais juste, ouais, de savoir, quoi. Après, là, dans le cas de Mélanie, elle parle vraiment du premier amour. Mais c'est pas de tout ce que j'ai envie d'avoir. C'est vrai que moi, j'ai du mal à identifier mon premier amour, tu vois. Parce que mon premier amour, c'est quoi? La première fois que j'ai été amoureux, c'est la première fois où j'ai pleuré, où j'ai des papillons dans le ventre, mais j'étais en sixième, quoi. Je considère pas que cette fille, c'était mon premier amour. C'est la première fille que j'ai embrassée, on est resté. On était même pas ensemble. Non, mais après, le premier amour, c'est la première fois que t'aurais pu faire n'importe quoi, parce que c'était vraiment... Enfin, limite, tu t'es dit, je veux marier avec. Quoi. J'arrive pas à dire c'est qui entre entre les j'arrive pas à dire c'est qui entre elle ou elle, parce que c'était des périodes plus ou moins similaires. À un moment donné, j'étais avec une fille, on était ensemble sans être ensemble, mais moi je dirais que c'est la première, celle. Enfin, je veux dire, elle a fait un marmaille. Non, justement, tu serais parti avec. Je suis pas persuadé, justement. Je suis pas persuadé. T'étais pas amoureux d'elle. Si, mais je suis pas persuadé que je peux dire que c'était elle mon premier amour. Tu vois. Là, dans le cas de Mélanie, c'est facilement identifiable parce que peut-être qu'elle n'a pas eu beaucoup de relations quand elle était au lycée. Mais voilà, moi, quand j'étais au lycée, j'étais avec une fille plus ou moins en seconde, première, mais c'était un peu ambigu. Enfin, voilà. Donc, bon, bref. Il y a Mélanie qui dit... Après, je tiens aussi à préciser qu'après notre rencontre, on s'est demandé ce qu'on avait pensé de la soirée. Il m'a fait un long message disant que ça l'avait chamboulé et qu'il lui faudra un peu de temps pour décanter tout ça. Et qu'il espérait me revoir sans attendre 10 ans. Effectivement, c'est normal. Mais je pense que c'est normal que ça le chamboule aussi. Bah oui, ça a fait remonter des trucs, c'est normal. Hein. Ça a rappelé des souvenirs. Et ce que toi, t'as ressenti, bah, il l'a ressenti aussi de son côté, en fait. Ça a fait remonter des choses où vous n'étiez pas séparés en mauvais termes, finalement. Il y avait du bon dans votre relation à ce moment-là, et c'est ce dont il s'est souvenu aussi. Bah oui, oui. Moi, il y a des ex aussi, comme ça, où ça s'est terminé, enfin... voilà, avec des bons souvenirs. Des choses positives, bah, et qu'on se reverrait, on reparlerait avec nostalgie de ces moments-là, et puis voilà, ça. C'est clair. C'est pas pour autant qu'on aura envie de quitter toute notre vie pour retourner avec. Enfin, en tout cas, moi. Oui, c'est clair. Il y a Lolita qui dit qu'elle a revu son premier amour et qu'ils se sont embrassés, bah, que c'était direct fini. Le fantasme du passé n'était pas présent. Il y a Mélanie qui précise que c'est vraiment un gars bien, très honnête. C'est pas du tout un gars malsain. Il y a Lolita qui dit qu'il faut passer au physique pour voir s'il y a vraiment quelque chose. Mélanie qui dit évidemment qu'elle n'a pas envie de casser quoi que ce soit. Hein, voilà. Hein. Marine qui dit qu'il attendait peut-être autre chose après le verre. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'était vraiment juste pour revoir et parler, passer, voilà, nostalgie, etc. Hein. Je pense que c'était vraiment ça. Il y a Juliana qui dit, il y a Marine qui dit que Juliana était au coin de la rue en train de m'espionner pendant que je prenais mon verre. Pas du tout, non. Non, même pas. Non, elle m'attendait tranquillement dans notre chambre d'hôtel, figure-toi, parce que. Non. J'étais stagiaire dans un hôtel. C'était à Saint-Gilles que je suis allé prendre un verre, juste à côté de l'hôtel. Mais jamais de la vie. Mais si, c'était à Saint-Gilles. C'était juste après. J'y suis allé à pied. C'était pas quand on n'était pas à la fac, c'était pas à Saint-Denis que tu l'as vu. Non, c'était à Saint-Gilles. Au bar à choix ? Non, c'était à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, juste à côté de... Oui, c'était à l'hôtel. Je ne suis pas resté longtemps. Sérieux ? Mais bien sûr. Et moi, je t'attendais comme une...
Oui, t'étais... ou alors t'étais à la plage. T'étais à la plage, je crois qu'on était à la plage. Et puis après, j'étais allé boire. Je me rappelle. C'était plus. En pleine journée. Ah, je me rappelle. Enfin, c'était en début de. C'était vers 17h, je crois, en fin d'après, un truc comme ça. Je me rappelle plus où j'étais, tu vois. Ah, si. Et après, je suis retourné me voir et je me rappelle, tu m'as dit alors, c'était bien. Je dis, ouais, ça va, tranquille. Voilà, et puis après. Et puis, j'ai pas posé de questions. Hein. J'ai rien demandé parce qu'on était au début de notre relation. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, j'étais pas très insistante. Et puis, moi, je le laissais. Et puis, voilà, je me posais pas trop de questions. Mais demain, tu me dis, je retrouve un tel, machin, une copine de la fac. On s'était vu, machin. Je vais aller boire un verre. Mais c'est ça, ouais. Tu vas me dire, ok, on fait ça, mais tu m'appelles sur WhatsApp et tu mets le téléphone à ta. Même pas du tout. Non, je te dirais, ok. Et puis, moi, demain, je rencontre un tel. Non, mais de toute façon, j'ai envie de revoir personne, franchement. En plus, comment tu m'avais présenté la chose Je me rappelle plus. On en reparlera tout à l'heure. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on finit des lives, on parle toujours de trucs après. Il y a Mélanie qui nous dit qu'effectivement, ça lui a laissé beaucoup de suspense, son message, hein, qu'elle aimerait le revoir pour savoir si cette connexion était juste du fait de se revoir après 10 ans ou si ça se refaisait encore une fois. Hein, voilà, hein. On aimerait savoir, effectivement, demande Jessica, qu'est-ce qu'il tu a dit. Tu nous raconteras la suite, en qu'est-ce tout cas, qu'il si a jamais. Dit à sa chérie quand il est retourné ensuite la voir. Qu'est-ce qu'il a débriefé de ce date, cette retrouvaille avec Mélanie. Voilà, effectivement. Trois phrases ambiguës en 6 heures, nous dit Marie, de discussion, c'est peut-être juste de la sincérité. Un peu déplacée, peut-être. C'est vrai, effectivement, ouais, Marie. Peut-être. En 6 heures, franchement, Mélanie, elle a retenu. Tu commences à dire des choses. Mélanie, quoi, elle a retenu trois phrases, mais effectivement, il n'a pas dit que ça. T'as raison, Marie. Des fois, effectivement. Ouais. Non, mais ce qu'elle veut dire. Moi, non, elle a pas dit, il n'a pas dit que ça. Il a juste. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle a retenu, elle, voilà. Parce que c'est ce qui l'a frappé. Mais lui, il a dit ça. Voilà, c'est sorti à ce moment-là. C'était parce sincère. Que hein. C'était sincère. Et ça s'est présenté comme ça. Mais il n'y avait pas que ça. Voilà, il y avait d'autres choses. Et puis. Ouais, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de. Exactement. De remettre le couvert. Quoi. Et puis, c'est la nostalgie. Cette. Effectivement, tu repenses à quelque chose et donc oui, tu as envie de refaire ta vie, entre guillemets, tu fais des films, quoi. Hein ? Y a l'autre qui dit, je pense que c'est normal aussi d'avoir des fantasmes de nos relations d'avant. Ouais. Ça prouve qu'on y a tenu. Mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Mais ça dépend, l'autre. Des fois, le premier amour revient dans ta vie au bon moment, au bon endroit. Et ben oui, allons-y, moi j'ai envie de te dire. Là, pour Mélanie, bon, moi, je pense perso c'est que... pas forcément le bon moment. Contexte n'est pas forcément idéal, mais voilà. Peut-être que s'il la quitte dans 2 ans, on ne sait pas. Ah oui. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que ça c'est un moment où il va se dire, attends, je la quitte, je rappelle Mélanie, et puis Et Mélanie, elle nous dit que c'est elle qui l'a recontactée après 10 ans, car elle pensait à lui. Et elle a vu plein de signes, genre les astres, Mars alignés avec Vénus. Elle nous a cité plein de signes. Qui lui ont fait penser à tiens, il faudrait que je lui réécrive. Et donc, voilà. Quand on veut voir des signes, Mélanie, on les voit. On les voit. Hein. Mais c'est souvent juste des trucs comme ça. Mais bon, oui, on trouve toujours des signes quand on est motivé par quelque chose. Hein, c'est l'effet placebo de l'être humain. Quand on a envie de croire à quelque chose, on y croit, on y va, quoi. Mais bon, voilà. Et on idéalise des fois, etc., etc. Donc, voilà, quoi. Tac tac tac, on en est où du chat? On est très en retard. Il y a Maë qui dit quand c'était notre vrai premier amour, on sait très bien ce qu'on va ressentir en le revoyant. Donc c'est normal que ce soit ambigu. Oui. Surtout si la relation s'est bien finie et qu'il n'y a pas eu de choses négatives. Effectivement, t'as raison Maë. Ça ne veut pas forcément dire que cette relation doit repartir et qu'on doit remettre le couvert. Non, mais ça fait remonter des choses, c'est obligé. Oui, c'est ça. D'ailleurs, moi, mon premier amour, je n'étais pas le sien. Donc, ça n'aurait pas fait remonter des choses chez lui. Hein, d'accord. Ou ça aurait fait remonter autre chose. Il y a Mouglinette qui dit, moi, je crois souvent mon premier amour, mais ça ne me fait absolument rien. Il y a Rita qui dit, pourquoi aller reprendre contact avec un mec qui est bien dans son couple 8 ans, de 8 ans aussi. Mais Rita, Mélanie, elle n'était pas au courant que le gars était en couple depuis 8 ans. Elle a repris contact avec lui 10 ans après. Donc, elle a repris contact avec lui parce qu'elle voulait le revoir. Et le gars lui a écrit, lui a répondu. Elle n'était pas au courant. Enfin, Mélanie, elle n'était pas allée espionner le mec. Enfin, voilà, elle ne savait pas forcément la vie du gars. Oui, où en était sa vie, voilà. Et ils habitent à 700 km. Rappelons-le, ils n'habitent pas à côté. Mélanie, elle a juste envoyé un message. Tiens, j'aimerais bien le revoir, je repense à lui, machin. Bon, ben, il se trouve que le gars est en couple depuis 8 ans. Elle n'en savait rien. Tu l'as eu ? Connasse de mouche.
Je l'ai eu. Comme ça. Il y a Maë qui dit « Tu ne penseras jamais à remettre le couvert si la relation s'est terminée négativement. » Par contre, si une relation s'est bien terminée ou que c'était des fois un peu flou, moi j'ai plein, effectivement, je peux comprendre ce que tu dis, Maë. Des fois, il y a des relations, elles se terminent, mais elles se terminent, tu ne sais pas trop pourquoi. Ça se termine comme ça. Et oui, des fois, tu te dis, ben, pourquoi pas relancer le truc, même 10 ans après. Mais bon, encore une fois, là, pour Mélanie, c'est pas un bon timing. C'est pas un contexte... Le timing est dans le sens, c'est elle qui a choisi le timing. Pour elle, c'est bien, pour lui, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, et Mélanie, elle dit, je suis d'accord, je crois souvent aux signes en général, attention à ça. Les signes ne font pas votre vie. Hein. C'est vous qui faites votre vie. Hein. C'est pas parce que t'as vu Vénus alignée avec Mars et parce que t'as vu ta belle-mère ressortir une boîte de je sais pas quoi que ça doit contrôler ta vie. Hein. Attention aux signes. Attention aux gens qui font que leur vie est dictée par « j'ai vu tel ou tel signe hein. ». Attention à ça. Hein. Voilà. Hein. Et elle nous précise bien, Mélanie, qu'elle ne savait pas qu'il était en couple. Rita, enfin, c'est une évidence, voilà. Hein. Je l'ai su lors de notre soirée, bien évidemment. Voilà. On va peut-être s'arrêter là, parce qu'il est tard. Mélanie, on espère qu'on a répondu à ta question. Tu nous tiens au courant de la suite. On se revoit dans quelques mois. Hein, ou voilà, s'il y a une suite, effectivement. N'attends pas 10 ans, du coup, pour nous dire. Effectivement, donc tu nous dis ça. Hein. Donc, tu nous redis ça. Tu ne redis pas ça dans 10 ans, non, effectivement. Non, tu nous raconteras un petit peu si vous vous êtes revus, retéléphonés. Exactement. Voilà, comme ça, on pourra rebriefer sur la suite. Effectivement, voilà. Donc, après, c'est toujours intéressant, voilà, hein, ces petites questions-là. Et vite fait, pour conclure, est-ce que tu crois au retour du premier amour? Moi, je dis oui, simplement, oui. Bah, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est toujours ça possible. Ça dépend juste du contexte. Oh, yeah. Effectivement. Merci Maë qui vient de se réabonner. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Qui vient de se réabonner avec Prime pour son 3e mois, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bah voilà, c'est la fin, les gars. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Pourquoi à côté de Maë, on n'a pas l'objectif là qui s'affiche? Ah, peut-être que l'objectif sera affiché au prochain live. Au prochain live. Petit objectif de 200 là, il était beau. C'était quoi la dernière question? Effectivement, on va pas la traiter ce soir parce que là, il est trop tard. Lolita 07, c'était quoi la troisième question? C'est une question qui traitait de la différence. C'était que pensez-vous des gens qui s'attachent très vite, qui se disent « je t'aime » très vite et qui veulent se voir tous les jours très vite. Et on a aussi une autre question sur la différence d'âge, etc. Mais on va pas la développer là. C'est une question assez intéressante. On la développera dans un prochain live. Voilà. Mmh. Hein. Et puis, que pensez-vous des gens qui s'attachent très très vite et qui se disent « je t'aime » très très vite? Bah, ça de même, on en parlera dans un prochain live. Exactement. Parce que là, on va vous laisser, parce qu'il est 22h20. Voilà. Et parce que ça fait 2 heures qu'on est avec vous et que c'est peut-être un petit peu trop long, non? Voilà, et qu'on va aller se prendre notre douche, lire un petit chapitre. Exactement. Voilà. Et Mélanie, tu nous tiens au courant. Merci à Mélanie qui a donc permis de faire 1 heure de live. Merci à l'abonnée précédente qui aussi nous a apporté son témoignage, qui nous a permis de faire 1 heure de live aussi sur son histoire. Merci beaucoup. Envoyez-nous vos questions, vos histoires, vos interrogations, vos appels à l'aide, vos bouteilles à la mer. Si vous avez des questions, des faites-le. Parce que ça permet d'aborder plein de sujets divers et variés. Amour, sexe, voilà. Faites-le. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est anonyme. Là, on a dit Mélanie de façon non anonyme parce qu'elle s'en fout, elle est bien contente, elle est là, et puis voilà, elle s'en fiche de ça. Mais si vous voulez que ce soit anonyme, ça peut l'être aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous envoyez vos questions. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. C'était Juliana et Julien. C'était un plaisir. Et on se retrouve, pour ma part, lundi. Lundi matin à 10h pour un live. 10h, c'est ça? 10h le lundi. Pour un live sur la thématique du jardin. Bilan de la saison. Donc, arrivez avec vos questions. Toutes les questions sont à poser sous le vlog qui est sorti ce matin. Voilà. Donc, posez-les et puis on se retrouve pour le bilan lundi. À 10h. OK. Allez, faites des beaux rêves. Bonne nuit à tous ceux qui ont dit bonne nuit, bonne soirée à tous ceux qui ont dit bonne soirée. Et Bibou, ne lis jamais en anglais. Non, Daddy. J'ai déjà des lu des romans. Oui, j'ai déjà lu plein de romans en anglais, mais. Plus maintenant. Mais non, maintenant, non. En fait, je lis beaucoup d'auteurs français en plus. C'est vrai? Bah ouais. C'est vrai. C'est vrai. Prenez soin de vous.
Et à très vite. On est très mauvais au Ciao, cinéma, mais on est très bon en littérature. En littérature. Nous, les Français. On vous embrasse. Faites de beaux rêves. Bon week-end. Et à ciao. Et ciao.